Alors Bezrat Hashem, le cours de ce soir, on va le dédier aux mariés. Michel et Yaniv, Bezrat Hashem. Et on a l'habitude de bénir les mariés par une bénédiction particulière. Bien particulière. Ben Zachar, Hashana, Bezrat Hashem. Amen. Amen. Et la question, pourquoi est-ce qu'on dit Ben Zachar? Pourquoi est-ce qu'on dit pour qu'ils aient un garçon qui soit mâle? Un garçon, c'est un mâle normalement. Pourquoi on dit Ben Zachar alors? Alors il faut savoir que le Inyan, il est comme ça. Il est que ce soir, on va parler du couple. On va parler d'amour. On peut pas parler d'autre chose. C'est vrai que bientôt Shavuot, il arrive, mais on est obligé de parler d'amour pour le nouveau couple Bezrat Hashem. Je voudrais dédier ces quelques paroles de Torah à tous les malades d'Israël, Bezrat Hashem. À tous les otages, que très bientôt, très vite, ils soient libérés. On l'arrive chez les mains de ma maman. Amen. Rivka Batrachmona, Bezrat Hashem, le 40 mamash, pour la réussite de tous nos soldats Bezrat Hashem. Amen. Et que Akadosh Baruch Hu il écoute nos prières et qu'il nous envoie la Geoula Shlema Be'amen. Amen. Amen. Et bien sûr, les Nounishmat, mon nom, Shimon, Alain Shimon, Ben Aziza, dont c'est l'Askara, après demain, Bezrat Hashem. Donc, on va lui penser à une pensée particulière pour lui ce soir, Bezrat Hashem. Amen. Amen. Alors, Khatan Kala, c'est un langage aujourd'hui qui est devenu un petit peu bafoué. Oui, le marié, la mariée. Mais c'est plus que ça. Faut savoir que dès le moment où il passe sous la roupa, déjà, c'est le même niveau que Yom Kippour. Ils sont lavés de tous leurs péchés. Et ensuite, pendant 7 jours, ils sont rois et reines. Normalement, pendant 7 jours, ils ont même pas le droit de travailler. On doit leur préparer à manger, on doit les inviter tous les jours. C'est un roi et une reine. C'est pour ça qu'on leur met les plus beaux sièges et qu'on leur met les plus belles choses. Et en fait, au niveau du judaïsme, c'est quoi l'amour? C'est quoi aimer? Et c'est quoi un couple? Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, dans la génération où on vit, en 2024, l'ère vulgaire, un couple, c'est un papa et un autre papa. Une maman, une autre maman. Un truc bizarre et une maman. Des trucs qui sont pas très clairs. Alors que, il y a un triangle qui est établi depuis la nuit des temps qui s'appelle papa, maman et les enfants. Et malheureusement, aujourd'hui, on veut nous dire que c'est pas la normalité. La normalité devient la normalité. Et en fait, chez nous, c'est pas comme ça que ça se passe. Ça doit être différent. Pourquoi? Parce que c'est la première mitzvah de la Torah. Tu peux traduire à ta femme, si tu veux. Traduite. La première mitzvah... Non, tu lui t'expliqueras, après tu feras un résumé. La première mitzvah de la Torah, c'est quoi? C'est Pérou Urvou. Fructifier et multiplier. C'est la première mitzvah dans le Sefer Bereshit, dans le livre de Bereshit, d'accord? Qui est le premier livre, qui n'est pas un livre de loi, c'est un livre d'histoire. Pas d'histoire pour raconter aux enfants, de notre histoire. Et c'est pour ça que dans cette période où vous êtes mariés, après l'Akba Omer, c'est la période du Pirkei Avot. Le Pirkei Avot, c'est quoi? C'est le maxime des pères. C'est quoi le maxime des pères? C'est la Torah des pères. C'est quoi? Est-ce que c'est pas la Torah du Rav? Non, c'est la Torah du père d'abord. Pourquoi? Il y a marqué Derech Eretz Kadma la Torah. Le savoir-vivre, il a précédé la Torah. Et c'est pour ça que le livre de Bereshit, il vient avant le livre de Shemot. À partir du livre de Shemot, on va être un peuple. Mais avant d'être un peuple, il faut qu'on soit un enfant. Un enfant qui va devenir un peuple, qui va grandir et qui va se réaliser. Et comme il dit le Maharal de Prague, le but de la vie, c'est de passer du potentiel au réel. Et en fait, c'est ça un couple. C'est quoi? C'est de passer d'un potentiel de deux êtres qui vont devenir un couple et qui vont créer une maison. Et comme on dit, en plus de Ben Zahar, on dit Shetivnu Bait Kasher Veneman Beret Israël. Amen. 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 Et donc, faut comprendre une chose, c'est que pourquoi on dit alors Ben Zahar? Et après, bien sûr, on va développer le reste. Pourquoi on dit Ben Zahar? Parce qu'il faut savoir que c'est le mazal. Aujourd'hui, on ne sait pas qui est un homme, on ne sait pas qui est une femme. Mais est-ce que la Torah, elle n'a pas déjà vu ça depuis toujours? Mais en fait, faut savoir pourquoi on dit ça. Est-ce qu'on a des préjugés vis-à-vis des femmes? Est-ce qu'on a quelque chose contre les femmes? Chas v'shalom. On veut nous faire croire que on est une religion macho et que la femme elle est à la cuisine et le mari il est au travail et qu'il rentre les pieds sous la table après. Ça c'est pas dans le judaïsme. C'est n'importe quoi. Ça n'existe pas chez nous. Au contraire, moi j'ai jamais vu aucune prière où c'est le mari qui est béni par sa femme. Au contraire, tous les vendredis soirs, on fait Eshet Ra'il, la femme vertueuse. Qui c'est qui la lit? C'est le mari pour sa femme. Donc, où est-ce qu'elle n'est pas mise en avant la femme? C'est le joyau de la couronne. Mais il y a des lois à respecter. Comme Dieu il a dit au moment de la création de la femme, il lui a dit une chose seulement. Mais il lui a répété deux fois.
Il lui a dit Tietzanoua, Tietzanoua. Sois pudique, sois pudique. À partir du moment où, hier, Yaniv, il a mis la bague à la main de sa femme, il lui a dit comme ça. Écoutez bien ce qu'il lui a dit. Areat mekoudeshet li. Alors je traduis pour ceux qui ne comprennent pas l'hébreu. Maintenant, tu m'es consacré li, c'est à moi. Ça veut dire quoi, à moi? Ça veut dire, écoutez bien, ça veut dire que jusqu'au moment où elle n'accepte pas encore de mettre la bague, elle peut appartenir à qui elle veut. Elle n'est pas encore femme d'eux. Elle est jeune fille. Elle est, on la respecte en tant que femme, mais elle n'appartient, je veux dire, qu'à elle-même. C'est-à-dire que si demain, si elle avait dit, bah écoute, c'est pas toi, choisis un autre, bien sûr, on n'espère pas. Mais jusqu'au moment où elle n'a pas reçu la bague, elle a le droit de le dire. À partir du moment où elle a reçu la bague, elle dit, mais goûtez-chette, lis, t'es à moi. Ça veut dire quoi? C'est pas un objet. C'est pas un objet. Tu le traduiras après, parce que sinon on va pas s'en sortir. Je lui expliquerai si tu veux. Ça veut dire quoi, lit? Ça veut dire quoi? Qu'il l'a acheté, c'est un objet? Alors vous allez me dire, oui, il a une ketouba. Dans la ketouba, il n'y a que lui qui s'oblige à quoi que ce soit. C'est lui qui signe, elle ne signe rien. Vous savez ce que c'est une ketouba? C'est un acte de propriété. Alors vous allez me dire, oh! Alors c'est bien une religion de Mathieu. Oui. Alors, écoutez bien. Écoutez bien, vous allez comprendre. Écoutez bien. Dans la ketouba, la femme ne s'engage absolument à rien. À rien. Le mari, quand il signe la ketouba, il va s'obliger à la nourrir, à la vêtir, à lui donner un toit, à etc., etc. Aucune, le mari s'engage, la femme ne s'engage pas. Et la mitzvah de faire des enfants, c'est le mari, c'est pas la femme. Donc c'est un cadeau qu'elle lui fait. Maintenant, au niveau du titre de propriété, ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est pas que ça lui appartient. Ça veut dire, tu m'es unique et je suis unique pour toi. Mes coups d'échette, lit. Tu m'es sanctifié. Ça veut dire qu'au moment où tu as épousé ta femme, elle est devenue ton épouse. Ta femme, ta chair. Il y a marqué, dans le Sefer Bereshit, il y a marqué comme ça. Et Dieu, il a créé l'homme et la femme. Il a créé l'homme, il a créé l'être. Zahar et Nekeva, ça veut dire quoi? Écoute bien, ça tu sais pas peut-être. Ça veut dire qu'à la base, on a été créé féminin et masculin. Et le monde entier a été créé dans la féminité et dans la masculinité. Ça veut dire que dans tout homme, il y a une part de femme, et dans toute femme, il y a une part d'homme. Alors, vous allez me dire, alors c'est normal si c'est ce qui arrive aujourd'hui? Pas du tout. Pas du tout. Parce que le monde, il est créé comme ça. Parce que on a le jour, on a la nuit. On a le soleil et la lune. Le soleil et la lune. Et on a toujours le masculin et le féminin. Mais chacun, il doit avoir sa place. Chacun, il doit avoir son rôle. Avec beaucoup de respect. Et en fait, Ben Zahra, c'est quoi? Il faut savoir que tous les matins, on va lire, pour les hommes, par exemple, dans les Birkot HaShachar, dans les bénédictions du matin, on va lire quelque chose. On va dire, on remercie Dieu de ne pas m'avoir fait femme, de ne pas m'avoir fait esclave, pour les hommes bien sûr, hein, de ne pas m'avoir fait esclave et ne pas avoir fait non-juif. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas grave. Qu'est-ce que ça veut dire de ne pas m'avoir fait femme, de ne pas m'avoir fait... Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la femme, elle est moins bien que l'homme? C'est-à-dire que l'esclave, il est moins bien que l'homme? Ça veut dire que le non-juif, il est moins bien que le juif? Pas du tout. Ça veut dire une chose essentielle. Quand hier, le Rav, il t'a dit quoi? Le Rav, il t'a dit, est-ce que tu acceptes tous les préceptes qui a marqué dans la Ketouba? Est-ce que tu acceptes de faire une maison cachère en respectant les préceptes de la Torah? Il te l'a dit hier? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans un foyer juif, chacun a son rôle. Ça veut dire que quand l'homme juif, il a 613 mitzvot. D'accord? La femme, elle n'a pas 613 mitzvot. Parce que toutes les mitzvot qui dépendent du temps, la femme, elle en est exemptée. Elle a pas à les faire. Donc ça ne veut pas dire qu'elle est moins bien, ça veut dire qu'elle est plus tranquille que le mari. Et au niveau de l'esclave, il a encore moins de mitzvot que la femme et que le mari, que le juif. Donc et le non-juif, encore plus, il n'y en a que 7. Donc c'est ça le inyan, c'est pas qu'il est mieux, c'est qu'il a une plus grande responsabilité vis-à-vis du monde et vis-à-vis de la réparation du monde. Maintenant, il faut savoir que dans tout le monde où on vit, le masculin et le féminin, il est mélangé. Lorsque Dieu, il a créé Adam Arishon, il a créé l'homme, l'être, en fait. Il l'a créé Zahar et Nekeva. Il a créé féminin et masculin. Ça veut dire quoi? Alors, nos sages, ils expliquent que, en fait, c'était comme des gémeaux. Ou plutôt comme des jumeaux. Parce que le gémeau n'existe pas. C'est le jumeau, pas le gémeau. Mais en fait, il y en a qui disent qu'ils étaient dos à dos. Et ils les a séparés ensuite.
Et on va voir plusieurs explications, parce qu'on dit, eh, il a pris de sa côte. Et alors, s'il a pris de sa côte, comment ils étaient dos à dos? C'est bizarre quand même. Non, c'est pas ce nian là, c'est encore autre chose. Le côté, est-ce qu'il est à droite, est-ce qu'il est à gauche? On dit même que Adam Arishon, il avait une queue. Et c'est par là qu'il les a séparés. Oui. Après, c'est encore des explications et c'est encore des niveaux de compréhension, puisque la Torah, elle est divisée en plusieurs niveaux de compréhension. Au niveau, ce qu'on appelle le Pardès, le jardin de la foi ésotérique, qui commence par le Pshat, c'est ce qu'on va lire. Vous ouvrez la Torah, vous allez lire quelque chose. Et Abraham, il a eu un fils qui s'appelait Yitzhak. Hein? Et Yitzhak, il va avoir un fils qui s'appelait Yaakov. On a lu une histoire de quoi? D'une histoire de vie. Un monsieur qui s'est marié, qui a eu un fils, et puis qui a eu ensuite un autre fils. Une descendance. Donc c'est une histoire. Ça, c'est le premier niveau. Après, on va avoir le remez, l'allusion. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Qui c'est Abraham? Qui c'est Yitzhak? Qu'est-ce qui s'est passé au moment de la Akeda, par exemple, au niveau de ce fameux sacrifice? Qu'est-ce qui se passe quand Abraham, il veut pas renvoyer son fils Ishmaël? Et Dieu, il va venir lui parler, il va lui dire, tout ce que tu diras, Sarah, tu feras. Qui est-ce qui est plus grand? C'est Abraham ou c'est Sarah? C'est Sarah qui est plus grande. Qui est plus grand en prophétie, Abraham ou Sarah? Sarah. Qui est-ce qui a écrit Jethraïl? Non. Shlomo Ameler. C'est Shlomo Ameler qui l'a écrit, qui l'a rédigé. Pour qui? Pour sa maman. Pour sa maman. Pour une femme. Qui c'est qui l'a récité le premier? Abraham Avinu. Pour qui? Pour sa femme. Velif Kota, il a pleuré pour sa femme. La femme, elle est mise à l'honneur dans la religion juive. C'est la première. Derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Et ça, c'est le secret du Shalom Bayit. Et malheureusement, aujourd'hui, on est tellement acculé par tous les problèmes qu'on en oublie les principes pour lesquels on s'est marié. Et c'est pour ça qu'il y a marqué tous les matins, on lit Veratik Lil Elohim. Ça veut dire qu'il faut se présenter devant Dieu comme un fiancé. Le fiancé, il est capable de quoi? Il est capable, le fiancé, d'être à 3h du matin, coiffé, lavé, propre, elle pareil. Elle est maquillée. Comment tu fais à 3h du matin? Normalement, t'as la tête en... Et après le mariage, elle a la tête de travers, il a la tête de... Comment ça se fait? Non. C'est une des raisons pour laquelle on respecte les lois de Nida. Pour que ce soit un renouveau, un renouvellement, et que on se lasse pas, qu'il n'y ait pas de lassitude dans le couple. Mais en fait, le niveau qu'on va expliquer ce soir, on va aller un petit peu plus loin. On va parler de ce qu'il y a au niveau de la Torah cachée. Au niveau de la Torah cachée, c'est-à-dire le Sod, on a découvert avec l'Akba Omer la Torah du Sod, la Torah du secret qui a été dévoilée par Rabbi Shimon Bar Yochai, qui sera ensuite dévoilée par le Ari HaKadosh, puis par la Chassidut, et pour être aujourd'hui le point d'orgue de la venue du Mashiach. Il faut savoir une chose, je l'ai dit Shabbat dernier à la synagogue, c'est que pour faire venir le Mashiach, on doit étudier le Zohar. Sans Zohar, on peut pas faire venir le Mashiach. Le Zohar, c'est la Torah cachée. C'est ce qui est mis de côté par rapport à ce qui va en dessous de la compréhension littérale. Et en fait, quand on va voir Abraham, Yitzhak, Yaakov, d'accord, Moshe, Aaron, et tous ces personnages qu'on va croiser dans la Torah, et même dans les Nevi'im ensuite, alors nous, pour nous, c'est des personnages qui nous habitent depuis qu'on est tout petit. C'est presque des gens de la famille. C'est presque des grands-parents. Ça fait partie de notre culture, de notre vie, de notre histoire aussi. Mais en fin de compte, faut savoir que tous ces personnages, ils sont reliés à quoi? Ils sont reliés à des sphères célestes. Et on va avoir combien de sphères célestes? On va en avoir 10. On va en avoir 7 et 3 principales. Chochma Bina Da'at, c'est les plus hautes. Puis on va avoir 7 sphères qui commencent par Chesed. Chesed, Gevura, Tiferet, Od, Netzar, Od, Tiferet, Netzar, Od, Yesod et Malchut. D'accord? Donc, et on va les détailler. Donc, on va voir la première qui s'appelle Chesed. Chesed, c'est quoi? C'est la bonté. La Chesed, elle se trouve où, le Chesed? Le Chesed, c'est la bonté. Il se trouve où? Ici, avec nous. Dans le monde de la Asya. Vous savez quand même, au niveau des mondes, il y a plusieurs mondes. Et le monde dans lequel on vit s'appelle Olam Ha'Asya, le monde de l'action. C'est pour ça que quelqu'un qui va apprendre les lois de Tfilin et qui met pas ses Tfilin, il a pas fait la mitzvah. Pourquoi? Parce que t'as pas fait l'action. Tout est dans une action. Dans une action de relier quoi? De relier le masculin et le féminin. Ça s'appelle la pensée et l'action. Pareil. Marshava
et maasé. D'accord? C'est deux choses qui sont aussi, qui se relient dans un acte de quoi? Écoutez bien. Si on rapproche toujours le masculin et le féminin, on est dans un acte de quoi? D'amour. On est dans un acte de procréation. On est dans un acte de Pérou ou vous. Multipliez-vous. Multipliez les actes. Et qu'est-ce qu'on fait donc? Intimité. Un acte d'intimité. Entre l'homme et sa femme, bien sûr. Puisque c'est une des raisons du mariage aussi. Puisque dans un mariage, on va dire cachère, c'est les moments où on se réserve. Puis c'est le début de la vie. Mais aussi dans l'acte des mitzvot. C'est un acte où il faut s'unir. Même quand on va devoir lire la Torah. Vous avez jamais fait attention à quelque chose? Quand on va lire la Torah, qu'est-ce qu'on fait en général? On va aller avec révérence vers l'Arche Sainte. Qu'est-ce qu'on fait? On va ouvrir. On a un acte de faire venir vers nous. Regardez bien. Faire venir vers nous. Puis on va porter cette Torah, comme un mari qui porte sa femme. Puis, qu'est-ce qu'on va faire ensuite? On va la déshabiller. On va la déshabiller. Oui ou non? Oui. Que tu ouvres le boîtier ou que tu lui enlèves son manteau, tu fais comme si un acte d'enlever ce qui la recouvre. Parce que la Torah est couverte. Puis ensuite, tu la ouvres et tu lis. C'est comme si c'était une union. Et à partir de l'union, tu vas dire avec ta bouche. Et la bouche, comment ça s'appelle? Paix. Paix. Mais au niveau de la paix, d'accord? Qu'est-ce qu'il y a dans la bouche que Dieu il a fait avec nous? Une alliance de paix qui s'appelle comment pour tous les hommes? Brit Mila. L'alliance de la Mila. L'alliance de la Mila. L'alliance de la Mila. Ça ne devrait pas s'appeler Brit Mila. Les Anglais disent Brit Ish. Ça devrait s'appeler autrement. Mila, c'est un mot. Ça veut dire qu'il relie l'endroit où il va y avoir l'intimité au mot, à la bouche. Donc comprenez qu'on est dans un niveau de quoi? De consécration de l'homme avec son créateur. Donc de l'assemblée d'Israël qui est considérée comme la femme, avec Dieu qui est considéré comme le mari. Puisque lorsqu'on est on arrive au mont Sinaï, quand Dieu a donné la Torah, c'était quoi? C'était le jour du mariage du peuple d'Israël, qu'on va bientôt être à Shavuot. C'est quoi? Ça veut dire que la femme qui est venue, c'est la Kala. Dieu, il est descendu chercher sa Kala. Dieu, vous connaissez toute l'histoire, hein? Dieu, il descend et il dévoile les 10 commandements. Donc Dieu vient chercher la mariée. Hier, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été chercher la mariée. Il lui a mis le voile, il l'a cachée. Elle est pudique. Elle lui appartient. Vous avez compris? Sauf qu'ensuite, il va la découvrir pour pouvoir la marier parce qu'il faut qu'il la voie. S'il la voit pas, il peut pas se marier avec elle. C'est un minhag d'où on tire ça? De Rachel et Léa avec Yaakov. Elle était cachée, Léa, donc il ne l'a pas vue. Il l'a épousée. Nachon? Alors qu'il aurait dû épouser Rachel. Et c'est pour ça que si vous avez déjà été dans un mariage ashkénaze, chez les ashkénazes ou chez nos frères Chabad, la mariée, elle est totalement couverte, il ne voit pas son visage. C'est Rachel et Léa. Et donc c'est pour ça qu'il lui lève le voile. Parce qu'il y a une mitzvah de voir la femme. Vous savez qu'on n'a pas le droit, c'est interdit dans la Torah de se marier avec une femme qu'on n'a pas vue. C'est interdit. Pourquoi? Mais si elle lui plaît pas. Ou si lui, elle lui plaît pas. C'est pour ça qu'on lui demande aussi son consentement. Et donc, en fait, le mariage, il se passe dans tous les sens. Au niveau des sphères célestes, c'est 7 sphères qui vont rentrer dans les sphères du haut, Chochma Bina Da'at. Et même au niveau de ces sphères-là, Chochma c'est qui? C'est l'homme. Bina c'est qui? C'est la femme. Et de leur union, qu'est-ce qui se passe? Le da'at. Vous savez, c'est quoi le da'at? C'est le savoir. C'est pas le savoir. C'est la connaissance absolue. Et c'est pour ça qu'il y a marqué dans le Sefer Bereshit, avec Adam Arishon, qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Adam, Yada, et Ishto. Et l'homme, il a su, si on traduit littéralement, d'accord? Et l'homme, il a su sa femme. Ça veut rien dire. Il a connu sa femme. Pourquoi? Il y en avait une autre. Donc, il s'est dit, ah, mince. C'est toi en fait. Il l'a connu? Non, il l'a connu, c'est-à-dire qu'il s'est lié avec elle. Il s'est lié avec elle dans un acte intime. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait que toute la création du monde, elle est là pour justement construire ce rapport intime entre Dieu et son peuple. C'est pour ça qu'hier le Rav t'a dit, maintenant vous êtes en train de construire Israël. Il te l'a dit ou pas, tu te rappelles? Il t'a dit, vous êtes en train de faire venir les Neshamot pour amener la Géoula. Pourquoi? Parce que lorsque un couple se marie, il remet des pierres en plus sur le Mizbéar.
l'endroit où on faisait les sacrifices. Donc tu construis le Mizbéach, tu construis la Shekhina. Et lorsque malheureusement quelqu'un divorce, tu détruis le Mizbéach. Donc c'est une construction. Donc on est encore une fois dans un établissement de connaissance divine, d'étreinte entre Dieu et son peuple qui s'appelle Amisraël. Et c'est ce qui va se passer à Shavuot, qu'on arrive bientôt. Et en fait, regardez bien, quand on va prendre nos patriarches, Abraham, le premier des patriarches qui est dans ce monde-là, lui, il a fait des âmes. On a dit qu'il est les âmes qu'il a fait à Haran. Mais les âmes, c'est matériel ou c'est spirituel? C'est spirituel. C'est spirituel. C'est spirituel. Pourtant, lui, c'est celui qui est le plus relié à la matérialité. Ensuite, son fils, il est quoi? Il est Gvoura. Gvoura, c'est Din. Gvoura, c'est la rigueur. Donc lui, il est bonté. Son fils, il est rigueur. Et le petit-fils, donc le troisième des patriarches, il est quoi? Tiferet. C'est quoi? L'équilibre parfait. C'est quoi le Inyan? Alors écoutez bien. Si on change quoi que ce soit dans l'équilibre du monde, le monde y revient au tohu vavohu. Si on change quoi que ce soit dans l'équilibre d'un couple, si l'homme est une femme et la femme est un homme, on détruit le couple. D'accord? Et on arrive à des dérives qu'on voit aujourd'hui. Écoute bien Yannick, c'est très important, tu vas comprendre. Et ça te concerne, tu l'expliqueras ta femme plus tard, ou je lui ferai la traduction si tu veux. Au niveau des sphères, chacun des patriarches, il est relié à une sphère. Il va y avoir plusieurs personnes qui vont être liées à des sphères. On va avoir plusieurs. Par exemple, Noah. Noah, lui, il est, on l'appelle comment dans la Torah, tzadik. Et on a qui encore? On va voir Yosef, qui est aussi nommé tzadik. C'est qui le tzadik? C'est celui qui garde sa brit mila. C'est le tzadik. Et donc, tous les deux, ils sont reliés à la sphère du Yesod. D'accord? La sixième sphère. Tous les deux. Il y en a encore d'autres. Et Abraham, il est chesed, et d'autres, ils sont encore chesed. Même nous, nous sommes reliés, chacun de nous, à une certaine sphère. Mais pourquoi est-ce que la Torah, elle a commencé par Abraham? Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas commencé par Yitzhak? Commence par le Din. La rigueur du monde, comme Dieu, il a créé le monde. Comment? Bereshit bara, Elohim. Elohim, c'est la tribu de rigueur. Dieu, il a créé le monde par la rigueur. Il a vu que ça pouvait pas continuer. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a mis Yudke Vavke, Hachem. Qui comprend en lui tous les niveaux de toutes les sphères. Du Yud au Ré. Donc c'est pour ça que le dévoilement, en fait, qu'on doit avoir aujourd'hui, c'est le dévoilement du tétragramme. Je sais pas si vous avez fait attention, c'est le seul nom d'Hachem qu'on n'a pas le droit de prononcer, même pendant la prière. Même pendant la prière. On va dire, quand on voit le Yud Kevavke dans la prière, comment on le prononce? Ado, plus loin, Naï. C'est pas ce qu'il y a écrit. C'est pas du tout ce qu'il y a écrit. On pourra le dire que après Mashiach. Et en fait, c'est le dévoilement du divin qui est caché. Donc, la Torah du caché. Encore une fois, le Zohar. Et quand on va voir Abraham, Abraham il est Chesed. Yitzhak il est Gvoura, donc il est Din. Chesed ça commence par un Chet, d'accord? Din ça commence par un Dalet, d'accord? Et Tiferet c'est quoi? Tiferet c'est l'équilibre. Donc c'est la Rachamim, la Rachmanout, d'accord? Il a fait un équilibre entre la bonté, d'accord? Pour avoir un équilibre parfait, il faut être dans la miséricorde, ok? Et avec ce cheminement là, on va transcender la création du monde et du peuple juif, puisque c'est les trois patriarches, et ça fait les initiales du mot Cheder. Et Cheder, c'est quoi? Kodesh Kodashim. C'est l'endroit du Kodesh Kodashim. C'est l'endroit d'union par excellence parfaite. Vous comprenez? Donc on n'est pas en train de raconter l'histoire de trois vieux monsieur. On n'est pas en train de raconter l'histoire de trois patriarches. On est en train de raconter l'histoire du monde. L'histoire du monde qui, depuis la nuit des temps, c'est quoi? Commencez à vous multiplier. Et c'est pas simplement l'homme, c'est toute la création. Dieu y a dit aux animaux, croissez et multipliez. À l'homme, croissez et multipliez. Et le but, il est quoi? Il est de faire de continuer la création. Pourquoi? Parce que chaque jour, la création, elle est renouvelée. Chaque jour, Dieu, il refait le monde de nouveau. On le dit tous les jours dans la prière. Ça fait alcoolique quand même comme ça. Amechadesh bechol yom tuvo maase bereshit. Tous les matins, on dit la même chose. Qui refait de nouveau le bon de toute la création du monde. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les jours, écoute bien Yaniv, tous les jours, tu dois être quelqu'un de nouveau pour ta femme. Kol yom, j'aime chayavim liot mechadesh. Le chadesh est un Yaniv. De renouveler toujours votre personne. Ça veut dire quoi? D'être des nouvelles créatures. Ça veut dire que tu vas... Ah bah ouais, ça fait... On boit pas beaucoup chez nous, hein. Mais ça, chez Barbachot, on est content, c'est normal. Le Chaim, le Chaim. C'est très Eric là.
Chaim, Chaim. Eric, le Chaim. On dira pas à ta femme que tu bois. Il est là le mari, il est là, il a fait une molle, voilà. Alors on continue. Maître Capello, hein, tu me dis quand on arrive à la demi-heure. Hein. Sinon moi je suis parti. Hein. Allez, on continue. Écoutez bien. Et si on continue un peu plus loin, dans la période où on est en train de vivre, l'époque de donc de Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Akiva, le maxime des pères. Et on a lu il y a quelque temps dans la Torah, Ve'avta l'eracha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et en fait, c'est une mitzvah d'aimer son prochain. Ça veut dire quoi aimer son prochain? Est-ce que c'est possible déjà d'aimer son prochain? Et en fait, regardez le mariage. C'est deux individus qui sont totalement opposés, totalement différents, qui doivent s'aimer. Mais en fin de compte, qu'est-ce qu'ils font là? Même devant la caméra, c'est pas grave. On fera un lechaim pour tous les gens qui nous regardent. Bezrat Hashem, lechaim. Alors écoutez, on continue. Ve'avta l'eracha kamocha. On prend deux individus complètement différents et on leur demande de s'aimer. Et on a une espèce de massorette à chaque fois qu'on nous dit quoi? L'homme et la femme, quand ils se marient, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Un. Ils doivent devenir un. Ils doivent devenir un. C'est pas vrai. Parce que s'ils deviennent un seulement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y en a un qui s'annule. Ça veut dire qu'il y en a un qui mange l'autre. C'est pas un qui doit devenir bassar echad. C'est comme ça que c'est marqué dans la Torah. Yihou les bassar echad. Une même chair. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va devoir faire avec l'autre. Ça veut dire qu'on va devoir accepter la différence de l'autre. Pour construire une maison, pas deux maisons. Pour construire une seule entité qui s'appelle la maison d'Israël. Pour construire une éducation qui est la même. Un point de vue qui est le même, mais chacun avec sa différence et chacun avec son état. Puisqu'elle peut pas être comme lui, puisque c'est une femme. Il peut pas être comme elle, puisque c'est un homme. Et lui, il a le inyan de quoi? Alors ça, c'est de par le monde. L'homme, il a le statut de donneur. Au moment où il va s'unir avec sa femme, il est dans le don. La femme, elle a le statut du receveur. Ça n'a rien de péjoratif, vous allez bien comprendre. D'accord? Puisqu'elle reçoit son mari, elle accueille son mari. Ça n'a rien de péjoratif et ça n'a rien de sale. Chas v'shalom. Au contraire. On est tout dans la sainteté, dans la pureté. D'accord? Et donc, à ce moment-là, il est masculin. Et elle est féminine. Mais, à un moment donné, ça va s'inverser. Elle va devenir masculin. Et même un masculin va devenir féminin. Vous allez comprendre. Et aujourd'hui, pendant qu'on est en train de parler, on a aussi ce fait-là. Vous êtes en train de m'écouter. Donc, je suis le donneur. Et vous êtes le receveur. Donc aujourd'hui, ce soir, je suis le masculin et vous êtes le féminin. Mais demain, si vous répétez ces choses-là, vous devenez le donneur, que vous soyez homme ou femme. Et ceux qui vous occuperont deviendront le receveur. Et au moment donc de l'union entre l'homme et sa femme, il est donneur, elle est receveur. Mais au moment où elle va tomber enceinte, puis le bébé va grandir dans son ventre, le jour où elle va donner naissance, elle devient le donneur. Et le bébé devient le receveur. Et même si c'est un garçon, ça veut dire qu'elle devient masculin par rapport à son fils et que lui devient féminin par rapport à sa mère. Vous avez compris? Donc ça veut dire que en fait, on traverse la dualité du monde, du féminin et du masculin tout au long de notre vie. Donc ça veut dire, c'est pas qu'on est une femme, c'est pas, il y avait un film comme ça avec De Cône, il me semble, l'homme est une femme comme les autres, c'est pas ça? Pour ceux, non, il y a pas de signe. Oui, hein, c'est ça. Ou il joue un homosexuel, il me semble. Alors pourquoi? Faut être un homosexuel pour être un homme? Ou faut être une femme, faut être... Non, pas du tout. C'est-à-dire que dans la religion, il faut que l'homme il mette sa femme sur un piédestal. Il faut que l'homme il va la prendre comme un joyau. Qui c'est la couronne de la tête du mari? C'est sa femme. Et comme on le dit dans Eshet Ra'il Minsa, qui c'est qui a trouvé la femme virtueuse? Il n'y a pas marqué qui c'est qui a trouvé l'homme virtueux. Qui c'est qui a trouvé la femme virtueuse? Et quand vous voyez les grandes sadikim,
tous les grands, je vous parle pas d'il y a 1000 ans, les grands tzadikim de notre génération, l'abnégation de leur femme leur a permis de devenir ce qu'ils étaient. Parce que imaginez, si on leur avait dit, comme les femmes d'aujourd'hui, elles disent souvent, hey, je fais la cuisine, et toi aussi fais la cuisine, et fais le ménage, et le petit, et machin. Non, abnégation totale. Vous croyez qu'une personne comme Rav Ovadia Yosef, Zichroni Livracha, qui étudie presque H24, vous savez que des fois il oubliait de dormir? Il oubliait de dormir. Tellement qu'il était tombé dans son étude. Il oubliait de dormir. Si sa femme n'avait pas pris le relais avec ses 10 enfants, Dieu bénisse. 10 enfants! Tous sortis des Talmidei Chachamim, hein. Tous, ils sont sortis des grands, des érudits en Torah. Ben, c'est elle qui les a éduqués. Et c'est pour ça que c'est la femme qui éduque. C'est pas parce que c'est son rôle et qu'elle doit être à la maison, dans la cuisine, avec les enfants. Non, pas du tout. Parce que c'est la seule qui est capable de le faire. Vous savez pourquoi? Parce que elle est multiple facette, la femme. La femme, c'est grâce à elle qu'on est sorti d'Égypte. Il y a marqué, grâce au mérite des femmes, on est sorti d'Égypte, et grâce au mérite des femmes, on sortira de la galoute. Donc elle a un rôle très important, la femme juive. Et pourquoi elle est capable d'éduquer son enfant et pas le mari? Le mari, il est monotache. Il est monocorde. D'accord? Il a 5, 6 enfants, 7 enfants, même 2, hein. D'accord? Même si c'est une fille, un garçon, il va leur parler exactement pareil. On parle dans l'absolu, bien sûr, hein. Il y a des papas qui sont un peu plus, mais il va dire pareil, hein. Et toi, hein, et toi, ça. D'accord? La maman, elle sait. Celui-là, il est un peu plus sensible, donc elle va lui parler un peu en chamallow. Celui-là, il est un peu plus fort, donc elle va lui donner un peu de courage. Celle-là, elle a un peu fleur bleue, donc elle va lui parler avec des contes et des mains. D'accord? Elle les a enfantés, donc. Oui. Et puis, elle a un lien particulier avec eux parce que elle les a mis au monde. Elle les a portés pendant 9 mois. Donc, c'est un lien indéfectible. Et c'est ça, l'amour. C'est un lien indéfectible. Demande à une mère, hein, si elle aime son enfant. Il peut être le plus moche du monde. D'accord? Il peut avoir de la hanouna. Il peut faire la plus grosse bêtise du monde. Et qu'est-ce qu'elle va dire? Naïchali, qu'il est beau! Mais il a la morve! Il vient de faire dans sa couche! Je l'aime! Hein? Comment il nous met, hein? Toi, t'as un gaz, malheureusement, oh, t'es dégueulasse, quand même, franchement, t'abuses! Et le bébé, Naïchali, maintenant, il sent une odeur, t'as envie de mourir, et même le voisin, il vient de taper à ta porte, elle dit, s'il te plaît, tu peux faire quelque chose? Elle dit, il est beau, le pauvre! Non, il est pas beau, il sent mauvais! C'est son fils! C'est sa fille! Elle s'en fout! Parce que c'est sa chair! Il est basarecha, t'as tout compris! C'est sa chair! Mais n'écrase pas ta femme et que ta femme, elle écrase pas son mari! C'est un respect perpétuel, un respect particulier, un respect au niveau d'une construction de quoi? D'un mouvement du bas vers le haut. C'est-à-dire que, en fait, regardez bien, il y a un mouvement dans la religion juive du bas vers le haut, entre l'homme vers Akadosh Baruch Hu, mais il y a un autre niveau. D'accord? À un niveau de pénétration vers l'homme qui veut aller vers son créateur, mais qui peut pas. Il peut pas aller du tout vers son créateur. Un homme ne peut pas monter chez Dieu. Parce que si on dit qu'un homme il monte chez Dieu, ça veut dire que Dieu c'est une avodah zara. Ça veut dire que vous avez bloqué Dieu dans le ciel. Ça veut dire que c'est un dieu de l'Olympe. Chas v'shalom. Dieu il est pas dans le ciel. Dieu il est partout. Mais on dit le ciel et la terre pour qu'il y ait encore une fois cette pénétration entre les deux mondes. Et on est toujours la même chose. Et au moment du don de la Torah, Dieu il est descendu sur terre, descendu vers l'homme. Donc il est venu en nous. Et nous on est monté vers lui. Vous avez compris ou pas? Donc c'est un échange total. C'est un mariage, c'est un chibouk. Regardez la fête de Soukhot. La fête de Soukhot. Pour avoir une soukha kachère, qu'est-ce qu'il faut? Il faut deux murs et demi. Pas plus. Si on a 2 murs et demi, eh ben elle est kachère la soukha. Pourquoi tu me dis pas 3? Blata. D'accord? Dis-moi 3, pas 2 et demi. Ou dis-moi 2, non. 2 et demi, c'est la lacha. Pourquoi? Parce que 2 et demi, c'est quoi? C'est le bras, l'avant-bras et la main qui fait un chibouk. Qui fait un câlin. À partir du moment où on a passé les Yamim Noraim, Dieu vient, il nous prend dans ses bras. Il nous dit ça, et maintenant t'as fini, 2 et demi, ça me suffit. T'es dans mes bras. Je t'aime, mon fils. Et donc, on est dans une histoire d'amour. Toute la vie, c'est une histoire d'amour. Avec nos enfants. Avec Dieu. D'accord? C'est pour ça que c'est très, très, très important. Et c'est très dur, hein, par contre. C'est très, très dur. D'accepter son fils quand il fait pas comme nous, par exemple. D'accepter sa fille quand elle part un peu. Loaline, il faut faire très attention. Vous savez? J'avais écouté une histoire il y a quelques années. C'était une soirée spéciale avec les gens qui vont sortir les jeunes filles de Gaza. Vous savez, les gens qui vont chercher les jeunes filles de Gaza. Et Lev Leachim. Et là-bas, il y avait une fille qui était venue expliquer que elle avait été prise, qu'elle avait eu un enfant là-bas à Gaza, et que la pauvre, elle avait vécu l'enfer, et qu'ils avaient réussi à la sauver, d'accord? Et vous savez,
le responsable qui avait parlé là-bas, il avait expliqué qu'en fait, la plupart des jeunes filles qui tombaient dans les mains des Arabes, c'était des jeunes filles qui n'avaient pas reçu d'amour à la maison. Ouais. Pas religieuses ou pas religieuses, on parle pas de ça. Hein. C'était des enfants qui étaient chercher l'amour ailleurs. Et c'est comme ça, pareil pour les enfants. Tout d'un coup, on va dire à un enfant, voilà, il y avait un chanteur, il y a quelque temps, j'ai lu ça, un chanteur israélien. 12 ans, il a pas vu ses parents. 12 ans, pourquoi? Parce que il a décidé de plus être haredi. Il a grandi dans une maison très très religieuse, il a décidé que ça lui convenait pas. 12 ans, ils ont pas accepté de le voir. Ils l'ont rejeté de la maison. Pourquoi? Tous les enfants ne sont pas faits pour être des rabbins. Maintenant, bien sûr qu'il faut faire attention pour pas qu'ils tombent dans la délinquance et qu'on fait attention à eux. Mais si un enfant, il a décidé de prendre un autre chemin qui est pas le nôtre, faut l'accepter comme il est. Il faut essayer de le comprendre surtout pour pas qu'il tombe dans la dérive. Parce que tant qu'on va lui donner de l'amour, tant qu'on va lui donner de la chaleur, tant qu'on va lui montrer qu'on est fier de lui, même s'il fait pas ce qu'on a dit, il tombera pas dans la dérive. Il tombera pas dans cette orgie. Moi, j'appelle ça une orgie aujourd'hui. D'accord? De débauche, de saleté, de consommation, de tout et de rien, où on nous met dans un état de fait où il faut dire, mais c'est bien ce qu'ils font. Non, on peut ne pas être d'accord. Pourquoi? Il faut accepter la gay pride, il faut pas accepter les prières séparées. Pourquoi? Accepter d'un côté et pas accepter de l'autre. Pourquoi accepter les non-religieux et pas accepter les religieux? Donc, c'est qu'on n'est pas cohérent avec ce qu'on dit. C'est que il y a une cohérence dans ce qu'on vit, dans un couple. On doit toujours avoir une cohérence avec sa femme, avec son mari. On n'est pas d'accord, forcément. On peut pas être d'accord puisqu'on est complètement différents. On peut pas être d'accord. Elle veut du bleu, lui, il veut du jaune. Elle veut un vase en argent, lui, il veut un vase en carton. On n'est pas pareil. On n'est pas pareil. On n'a pas les mêmes. La même perception de la vie. On n'a pas le même office. C'est pas pareil. D'accord? Une femme, c'est une femme et un homme, c'est un homme. Je veux dire, c'est pas la même chose. Bien qu'on peut avoir ce côté masculin, ce côté féminin pour les deux. Mais on n'est pas les mêmes. Il faut respecter la différence. Il faut respecter cet état dans lequel Dieu nous a créés. Différents. Il y avait une pub il y a quelques années. C'était comme ça la pub. C'était tous différents, mais tous complices. Et c'est ça, la vie d'un couple, la complicité. Le dialogue. La brite de la bouche. Paix. La bouche aussi, elle est masculin et féminin. Comment? La bouche, c'est féminin ou c'est masculin? Féminin. C'est féminin, paix en hébreu, je vous parle. Et qu'est-ce qu'il y a là à l'intérieur? La langue. Lachon, qui est masculin. Et le mouvement de la langue et de la bouche, c'est exactement la même chose. C'est pour ça qu'on a un rapport entre la bouche et la brite, brit mila. Pourquoi? Écoutez bien ce que disent nos chachamim. Quelqu'un qui ne garde pas sa brit mila, c'est quelqu'un qui va avoir des problèmes dans sa bouche. Il ne parlera pas bien. C'est quoi pas garder sa brit mila? Tu expliqueras après. C'est faire n'importe quoi avec. Ah, d'accord. Voilà. Et donc, en fait, comprendre que respecter sa femme, respecter son mari, respecter la différence et jouer avec cette différence, l'utiliser pour le bien. Et même quand on n'est pas d'accord, c'est une construction. Construire. On peut ne pas être d'accord, on peut se disputer, ça arrive dans tous les couples, malheureusement. Mais le but, c'est d'arriver à tirer. Tiens, on t'appelle. À tirer de ça. Des alertes, ça? On dirait le truc de Noël. C'est la fête de Noël. Ah, j'ai oublié de rajouter de l'eau. Comprendre une chose. Écoutez bien, on va finir là-dessus, mais rattaché parce qu'on peut pas non plus vous garder toute la soirée. C'est de comprendre que cette construction depuis le mariage, depuis hier, où ils sont rentrés à Réat Mekoudshet Li, ça vaut aussi pour l'homme. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui disent, ah, si c'est moi, allez, Mekoudshet pour moi, et ben moi, c'est pas grave si je fais n'importe quoi, je peux aller m'éclater. Hein? Vous savez qu'aujourd'hui, 90%, l'eau allez nous, hein, écoutez bien, c'est pas de moi. Hein, 90% des jeunes couples, ils divorcent au bout d'un an. Combien? 90%. D'accord? Non, c'est important qu'ils le sachent. Et je lui ai dit à Yaniv il y a deux semaines, on s'est assis à Shabbat, je lui ai dit, fais très attention. 80-90%, même le rabbi l'a répété, Nachon. C'est très important de le savoir. Vous savez pas, des fois, ils font la roupa une semaine après, ils ont pas fini chez Barbara, ils divorcent. Des fois, le jour de la roupa, aujourd'hui, avant, il y avait un certain tabou. D'accord? Les femmes n'allaient pas, c'était rare, je veux dire, il y avait des femmes qui trompaient leur mari, mais c'était plutôt les hommes qui trompaient leurs femmes. Aujourd'hui, il n'y a plus de tabou. Aujourd'hui,
Le jour de la roupa, des fois, on entend des histoires comme ça. Vous imaginez, l'Oalénou, le jour de la roupa, l'Oalénou. Et comprendre une chose, c'est que, n'oubliez pas une chose qui est très importante. Et ça, il faut l'expliquer. Et on va finir là-dessus. On va expliquer quelque chose. Vous savez pourquoi? Vous savez que si l'Oalénou, un mari qui trompe sa femme, c'est pas bien. C'est très mal, faut pas le faire, d'accord? Mais si la femme, elle accepte de le pardonner et elle veut continuer à vivre avec, ils peuvent. Il va en baver, à mon avis, mais ils peuvent, d'accord? Alakha, hein, moi je vous parle de Alakha. Ils peuvent. Ils sont divorcés? Non, ils ne sont pas divorcés. Regarde, il y a un homme, il a eu le démon de midi, d'accord? On va la faire avec les mots d'aujourd'hui. Le mec, il a eu le démon de midi, il avait une secrétaire pas très habillée, d'accord? La secrétaire, elle voulait une promotion, et il s'est passé ce qui s'est passé avec sa secrétaire, d'accord? Sa femme, elle l'a appris. Ok? Il s'est fait attraper. La femme, alors ils ont été voir des psychologues, machin, et puis elle lui dit, bon, écoute, on va continuer, j'accepte de continuer à vivre avec toi, je te pardonne. D'accord? Je te pardonne. Au niveau de la halakha, ils ont le droit de vivre ensemble, de continuer à vivre ensemble. D'accord? Maintenant, si une femme, elle trompe son mari, écoutez bien, elle trompe son mari et le mari il est au courant, il est obligé de la divorcer. Il est obligé. Je vais lui expliquer après. Un Cohen, ça c'est vraiment. Non, mais on parle pas de Cohen là. Alors laissez-moi finir. Et je vais vous expliquer. Areat mekoudé shetli. Elle est la différence. Parce que en fait, il faut savoir que la femme, elle est ce qu'on appelle l'intimité, la pnimiout. On a parlé de cheder tout à l'heure. Rachamim, vous savez, on a parlé de cheder. La chambre, l'intimité. Et rachamim, donc la miséricorde, ça vient du même mot que rechem. C'est quoi rechem? C'est le... comment on appelle ça en français? Le... j'ai un trou de mémoire en français. Le rechem, c'est l'endroit de la femme. C'est l'endroit de la femme. La matrice, voilà, c'est la matrice. C'est la matrice de la femme. Et en fait, il faut savoir que la femme, à partir du moment où elle est avec son mari... comment? Elle devient dans la pureté de son mari. Et en fait, il y a un cycle qui se met en place, je ne parle pas du cycle de Nida, un cycle de vie par rapport à son mari. Et donc, elle va avoir un temps de procréation et un nombre de procréation. Et c'est pour ça que elle lui appartient à son mari. Et donc, étant donné qu'il a violé l'intériorité, qui est le niveau plus haut que l'extériorité du mari, elle n'a plus le droit de vivre avec lui. Et donc, c'est pour ça qu'il faut faire très attention, il faut très bien comprendre que malheureusement, aujourd'hui, c'est courant. Vous savez combien d'histoires comme ça, ils sont arrivés à mes oreilles ici, à Ashkelon? À Ashkelon. J'en ai entendu des vers, des pamures et des... à vomir. D'accord? Je vous raconte pas. C'est pas la peine de rentrer dans le sujet, mais vous comprendre que c'est pas que la femme, elle est moins bien que le mari. C'est qu'elle est beaucoup plus haute que le mari. Et donc, elle est un joyau. Un joyau, tu prêtes pas à tout le monde. Un caillou, tu le donnes à n'importe qui. Un joyau, tu le gardes précieusement dans ta maison. Vous avez compris? Quand Abraham, les anges, ils lui ont dit, elle est où, Sarah? Elle est où Sarah, ta femme? Ils lui ont dit des anges. Attends, c'était trois arabes. Ils viennent, ils rentrent chez lui, ils vont bouffer. Et il dit, elle est où ta femme? Il dit, qu'est-ce que ça peut te foutre? Non? Il leur a dit, elle est dans la tente. Ça veut dire quoi, elle est dans la tente? Ma femme, personne n'a voilé de sa noix. C'est ma femme. C'est mon joyau. Quelqu'un qui a des diamants, il va le prêter à quelqu'un d'autre? Mec, il a un diamant de, combien, là, bien, un bon carat, combien ça fait? 4 carats. Allez, 10 carats, on va dire, allez, fais pas le blata. Le mec, il a 10 carats dans la, tu crois qu'il va le dire, qu'il va le montrer à n'importe qui? Tu crois que n'importe qui va le toucher son carat? Il va lui faire la bise à son carat? Non! Au pire, il a revend. Ouais, il a revend. Vous comprenez ou pas? C'est une femme, c'est le joyau de la couronne du mari. À Teret Roshi, ma couronne de ma tête, c'est ma femme. C'est elle qui va me permettre de devenir. Regardez, qu'est-ce qu'elle a fait, Rachel. Rachel, la femme de Rabbi Akiva. Rachel, la femme de Rabbi Akiva. Si Rabbi Akiva, elle est devenue Rabbi Akiva, c'est grâce à sa femme. Rabbi Akiva, avant de devenir Rabbi Akiva, c'était un quoi? Un berger. Oui, un berger. C'était même pas un rabbin. Il détestait les rabbins. C'était un berger. Ok, un berger. Elle a pas vu le type. Elle a vu le potentiel. Elle en a fait Rabbi Akiva qui est revenu avec 24 000 élèves. 24 000 élèves. Grâce à qui? Grâce à elle. Quand elle est arrivée, après 24 ans où il l'a laissé, il a étudié la Torah, elle est arrivée, elle s'est jetée à ses pieds. Ses élèves, ils ont dit, oh la clocharde, qu'est-ce que tu fais là? C'est Rabbi Akiva, c'est va-t'en. Vous savez ce qu'il leur a dit Rabbi Akiva? Toute votre Torah. Et toute ma Torah, elle appartient à elle. C'est grâce à elle qu'on est là. Donc vous comprenez que quand on va comprendre ça,
on comprend qu'il n'y a pas de misogynie dans la Torah, qu'il n'y a pas la femme, elle est moins bien que l'homme. La femme, elle est au-dessus de l'homme. Et c'est pour ça que vous allez comprendre quelque chose. Lorsque on fait les birkot hachachar le matin, d'accord? Il y a des femmes qui font les birkot hachachar ici? Est-ce qu'il y a des femmes qui font les birkot hachachar? Qu'est-ce qu'a dit la femme? Chez Hassani? Chez Hassani? Kirtono! Qui m'a fait comme sa volonté! Elle a même pas besoin, elle a même pas besoin de porte d'entrée. Elle est VIP. Et vous savez, c'est pourquoi? Et vous savez pourquoi? Et c'est pour ça que la femme, elle a pas besoin d'étudier la Torah. Parce que la femme, elle est tellement spirituelle, elle est tellement proche de Dieu, qu'elle a pas besoin d'étudier la Torah. Mais, comme elle est Bina, comme elle est construction, c'est pour ça qu'elle est représentée par la lettre E, et que le mari, il est représenté par la lettre Yud. La lettre Yud, c'est celle qui est en l'air, qui est vers les cieux, parce que l'homme, il a besoin de s'élever pour aller chercher la Torah, puisque lui, il est obligé d'étudier la Torah. Et elle, elle est E. Pourquoi elle est E? Elle a les deux pieds sur terre. Pourquoi? Salut, Chaim. Pourquoi? Parce que c'est elle qui s'occupe de tout. Fait à manger. Fait les lessives. Va savoir qu'est-ce qu'il faut acheter comme adoucissant. Va envoyer un mec faire les courses, hein. Il faut lui mettre les photos pour qu'il fasse correctement les courses. Alors qu'une femme, elle a fait, elle a pas besoin. Pourquoi? Parce qu'elle est tellement élevée qu'elle peut être dans la matérialité. Yudke. Et c'est la construction du nom divin. Il y a marqué, Ish Veisha, Shrina Shuroya Benehem. Ça veut dire quoi? Un homme et la femme, la présence divine, elle repose parmi eux. Ça veut dire quoi? L'homme et la femme, donc Ish Veisha, puisque la femme, elle est extraite de l'homme, c'est pour ça qu'elle s'appelle Isha. Lorsqu'ils respectent, ils se respectent l'un et l'autre, et qu'ils respectent les préceptes de la Torah, d'accord? La présence divine, elle repose en eux. Elle réside en eux. Écoute bien, parce que là, tu es obligé d'écouter ça. Par contre, lorsque ils se comportent pas comme il faut l'un envers l'autre et que la présence divine ne réside pas, elle s'en va. Et la présence divine, c'est Yud Yud, c'est Hachem, d'accord? Yud, il s'en va, donc il reste Esh. Yud E, c'est Dieu, pardon. Yud E, pas Yud Yud. Yud E, c'est Dieu, d'accord? Donc Yud E, ils s'en vont, il reste que Esh. Esh est du feu et ça brûle la maison. Alors allez-nous. Donc comprendre que, en fait, tout ce qu'on a expliqué ce soir, c'est que ça s'arrête pas seulement à des jeunes couples. Ça s'arrête pas seulement à un jeune marié. On marie jusqu'à la fin de notre vie. D'accord? Comme il disait l'autre, pour le meilleur et pour le pire. Mais non, il n'y a pas de pire. Il n'y a jamais de pire. Chez nous, il n'y a jamais de pire. C'est que pour le meilleur. Pour le meilleur du meilleur. Parce que même dans l'épreuve, c'est toujours pour la construction. Pourquoi? Parce que tout ce que fait Hachem, c'est pour le bien. Bezrat Hachem, on va finir là-dessus. Que Kadosh Baruch Hu, il bénisse le marié et la mariée. Bezrat Hachem, cette année. Ben Zachar Bekarov, soit Baïd Kacher Veneman Beret Israël. Et que Bezrat Hachem, tous on prenne ce soir conscience de notre rôle sur terre en tant qu'homme et en tant que femme. Parce que notre responsabilité, elle est envers nos enfants, mais aussi envers notre petits-enfants. Parce que après le mariage, il y a l'éducation. Et vous savez, pour les grands-parents qui sont ici, on dit, bon, moi, j'ai fait mon rôle, souvent, qu'ils disent les grands-parents, moi, j'ai fait mon rôle, débrouillez-vous. Non. Ça incombe, nos sages, ils nous disent, l'éducation des enfants, elle incombe aussi bien aux parents, mais aussi aux grands-parents. Baruch Adonai Olam, Amen, Amen.